Mesdames, messieurs, amis internautes de la télévision Forum TV Monde, bonjour. Et merci de vous installer confortablement pour cette édition de votre journal de recherche historique et de la conservation des mémoires. Maoudé Namie, doit t'entendre, allez, moi. Au titan au tambo, au état au gavi, allez, moi. Bon, troisième édition, et à Gégé, bon, mi doit fona, maou, nando gan la mena de propos, mi toletan. C'est par cette messe d'action de grâce que la cinquième journée de la troisième édition de la fête des Gbalinou, Koudak, Bebo, Kedevi, s'est terminé ce 15 mai 2022. C'est la commune des agrégés dans le département de Lomé qui a accueilli les manifestations. Placée sous le symbole de l'amour infaillible entre frères et sœurs, cette fête clanique a rassemblé plusieurs collectivités des Sokon résidant au Bénin, Togo, Nigeria et ceux de la diaspora. Après Dangbo et Ganvier, c'est la commune des Agégé qui a accueilli à son tour la troisième édition des célébrations identitaires et claniques des descendants de Tiango Khebiso de la planète Terre. Selon lui, dit son coordonnateur de la dite manifestation, cette fête est un vol qui a toutes les chances d'être un voyage intergénérationnel. Excellence, Monsieur le maire des Agégé et ses collaborateurs, messieurs les membres des différentes délégations de la société civile de la commune des Agégé, vénérables têtes couronnées et dignitaires en vos rangs et qualités respectifs, vénérables reines, épouses, sœurs, cousins, neveux, nièces, brus et alliés, chères sympathisantes et sympathisants du clan Gbali, chères autorités et croyants des diverses congrégations religieuses, chers frères et sœurs, chers parents, chers filles et fils de la diaspora historique du clan Gbali, mesdames et messieurs, grande est notre joie en ce moment solennel et mémorial de notre fête identitaire Gbalikwe, celle qui nous rassemble autour des objectifs généalogiques historiques, mémoriaux, culturels et cultuels de nos origines claniques. Pas question d'ignorer la nature des obstacles et la portée désastreuse des crises qui ont secoué l'élan ou l'envol de notre fraternité conçue pour ce vol intergénéalogique. C'est un voyage qui a toutes les chances d'être intergénérationnel. Oui, j'avoue que Gbalikwe, 3e édition, Agégé 2022, a connu des menaces et des turbulences assez impérieuses, au point où, si elle était une grossesse, l'on pourrait parler de son accouchement par césarienne en ce dimanche 15 mai 2022. D'après Vigile Badokonon, secrétaire général de la coordination de Gbalikwe, la particularité de cette fête est l'amour. On m'appelle Vigile Badokonon. Je suis enseignant de carrière, mais actuellement je suis là en tant que le secrétaire général de la coordination Gbalikwe. La particularité de cette édition, c'est la surprise que le père
célébrant nous a faites. C'est-à-dire, on constate que sans même contacter le clergé, nous avons choisi la date et ça tombe exactement sur la période où l'Église catholique célèbre l'unité familiale, l'amour. Parce que l'homélie d'aujourd'hui s'est basée sur l'amour. Venu du Nigeria, Zanou Thomas, président des Gbalénous de Bariga, livre ses impressions les plus joyeuses. Il a Zanou Thomas. Mesdames et messieurs, c'est sur ces propos que s'achève cette édition de votre journal. Reportage Roland Boyanko, présentation de Grâce Fassinou. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.